Les amphibiens constituent le groupe de vertébrés le plus menacé au monde. Peu aptes au changement, ils souffrent de la destruction de leur habitat naturel, la disparition de près de 50% des zones humides, du fait du drainage, de la pollution, de l'urbanisation et des changements climatiques, demeure une menace permanente pour les crapauds, grenouilles, rainettes et têtards, mais aussi pour une grande diversité d'animaux sauvages. Donc ici, on se situe sur le plateau de Vitrolles, qui fait partie du massif de l'Arbois, sur les contreforts est de l'étang de Berre, à proximité de Marseille. Donc c'est une végétation typiquement méditerranéenne de garrigue à chêne kermès, donc des massifs où l'eau est rare en surface. En milieu méditerranéen, on a une spécificité qui est la temporarité des points d'eau, puisqu'on a des étés qui sont très chauds, très secs, donc une évaporation des mares, qu'elles soient naturelles ou artificielles. Et donc des cortèges d'amphibiens qui vont être adaptés à cette temporarité, donc habitués à se reproduire au début du printemps, voire l'automne, une fois les pluies cévenoles qui remplissent ces trous d'eau. Donc des amphibiens avec une période de reproduction qui va être assez courte, un développement de l'œuf et du têtard très rapide pour pouvoir s'adapter à ces milieux très temporaires où l'eau reste assez peu longtemps en fait dans la mare ou dans la Lavogne. Alors, Une Lavogne, c'est un ouvrage traditionnel destiné à recueillir l'eau de pluie fabriquée dans le but d'abreuver le bétail. Donc c'est les agriculteurs de l'époque qui construisaient ces mares dallées pour éviter le piétinement du bétail dans la mare. Donc étaient construites avec les pierres qu'ils trouvaient sur le site même. Considérant que la préservation de nombreuses espèces nécessite la reconstruction de leur habitat, la LPOPACA intervient sur le plateau de l'Arbois en créant des lavognes pour favoriser le retour d'amphibiens patrimoniaux tels que le pélodite ponctué, le crapaud calamite. La LPOPACA souhaite aussi améliorer l'accueil d'une plus grande diversité d'animaux sauvages qui viennent se reproduire, s'abreuver et chasser. Ces points d'eau seront aussi un atout pour les activités d'élevage traditionnelles en permettant au bétail de venir s'abreuver. Donc ce projet est rendu possible grâce à la mobilisation de nombreux acteurs qui soutiennent la LPOPACA à travers la création de cette opération, à savoir la commune de Vitrolles, l'ONF, le Conservatoire du Littoral, Natura 2000, les activités pastorales et bien sûr le fonds de dotation Itensia qui finance cette opération.